ce sont des démons sous forme humaine. La notion de matière, la notion de distance, ça n'a pas d'effet sur ces êtres. Ces choses ne sont pas des obstacles pour eux. Pourquoi Dieu mettrait hors d'état de nuire seulement une partie des démons, en l'occurrence ceux qui se sont incarnés sous forme humaine au temps de Noé, mais qu'il laisserait l'autre partie des démons en liberté jusqu'à aujourd'hui?
pourquoi Dieu, qui est juste, agirait de cette façon? Ça n'a aucun sens. Ça ne colle pas avec la justice divine. Donc voilà qui prouve une fois de plus qu'en réalité, tous les démons sont en liberté jusqu'à aujourd'hui. Aucun démon n'a jamais été emprisonné au sens physique par Dieu. En Jude chapitre 1 verset 6, le mot obscurité ne peut pas désigner un lieu d'incarcération pour les démons. Lorsqu'il est fait mention des anges rebelles que Dieu a enchaînés éternellement dans les ténèbres, il est question ici de la puissance d'égarement spirituel que Dieu a infligé aux anges qui se sont rebellés contre lui. Voilà pourquoi tous ces anges rebelles sont désormais enchaînés par ce qui est obscur au sens spirituel, c'est-à-dire qu'ils sont enchaînés à l'impudicité, au mensonge, à la violence, à la cruauté, à la criminalité, etc. Tous les démons peuvent et ont toujours pu s'incarner en humain sur terre ou prendre n'importe quelle autre forme.